que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis vraiment contente de faire cette vidéo-là. C'est une vidéo dans ma série Back to School. C'est la première fois que je suis sur ma chaîne, fait que je suis vraiment contente de commencer ça aujourd'hui. Alors, pour la première vidéo de la série Back to School, j'ai décidé de faire des idées de tenues pour l'école. Donc, c'est des tenues que j'ai essayé que ça respectait le plus possible le code vestimentaire, mais écoutez, vous pouvez l'ajuster étant donné votre code vestimentaire que vous avez. Ça, c'est des petites tenues que je trouve vraiment mignonnes puis que vous pouvez modifier aussi avec ce que vous avez chez vous. Donc, c'est ça! C'est parti! La première tenue que je vous présente aujourd'hui, c'est un romper, un petit one piece. Le mien vient du American Eagle, puis je suis venue le styler avec un coat en jeans. Je crois qu'il vient du Urban Planet. Donc c'est super simple à reproduire chez vous, vous pouvez prendre celui que vous voulez. Moi je l'aime vraiment celui-là, il est comme tout flowy, puis c'est super simple, tu portes ça. Pas besoin de se casser la tête à faire fitter un top et un bas, and you're ready to go! Ok, le deuxième outfit, c'est probablement mon préféré. J'aime vraiment ça, porter ça. C'est super simple, vous prenez une tennis skirt. Je pense que tout le monde en a probablement une. Moi, la mienne vient du Princess Polly. Puis, je suis venue mettre un crew neck. Celui-là, il vient du H&M. Je l'aime vraiment. Puis, c'est super simple, vous prenez juste un petit collet d'une chemise. Moi, c'est comme un polo que j'ai mis en dessous parce que sinon, j'ai trop chaud. Puis, ça donne un outfit trop mignon, j'adore ça. Une autre idée de tenue que je vous propose de faire pour l'école, c'est super simple et confortable, donc juste de prendre une paire de shirts vraiment confortables. Moi j'ai des prix blanches, ils viennent de chez Girl Crush, puis d'ajouter un chandail vraiment coloré avec, moi celui-là vient du Vité Apparel. C'est super confortable et trendy à la fois, on aime ça. La quatrième tenue que je vous présente, elle a vraiment des vibes automnales, je trouve. Tout vient du Forever 21, mais vous pouvez vraiment facilement le recréer avec des vêtements du H&M ou d'autres magasins. Donc c'est juste une petite jupe en jeans avec une ceinture puis un top ligné. C'est trop mignon, j'adore ça, porter ça et ça fait vraiment écolière. J'aime vraiment ça de porter des couleurs vibrantes ces temps-ci. Donc cet outfit-là, c'est un t-shirt rose. Il vient du Aridia. J'aime trop la couleur. Et j'ai pris mes pantalons préférés qui viennent du Zara. Ils sont tellement confortables, comme lousse dans le bas, mais plus serrés vers le haut. Puis j'aime vraiment ça ces temps-ci utiliser un tote bag. Donc celui-là, il vient de Paris. C'est mon ami qui me l'a acheté là-bas. Je le trouve vraiment beau, puis je l'aime trop. Et ça fait un bel accessoire à mon outfit. Et voilà, donc c'est tout pour la vidéo, tout le monde. J'espère vraiment que vous avez aimé ça. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de laisser des thumbs up et de me le dire dans les commentaires. Et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Abonnez-vous. Et on va se revoir dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo que je suis super contente de vous montrer.